tout splendide qu'il soit, ces sushis qu'achète Akiko Ida ne seront pas dégustés en famille. Comme de plus en plus d'artistes contemporains, elle prend un malin plaisir à détourner le sushi de sa vocation première, être mangé. Akiko Ida a décidé de les faire briller sous les projecteurs, de les enrôler comme sushi acteurs pour un roman photo culinaire. Je présente Akiko Ida. Japonaise. Et je présente Pierre Javel, français. Et nous sommes tous les deux photographes. Notre premier, d'ailleurs, rendez-vous amoureux, c'était dans un restaurant de sushi. De refaire la notre vie professionnelle est séparée, mais pour le travail qu'on appelle les mini-miams, là, on se rejoint et chacun apporte sa pierre à l'édifice et on travaille de concert. Mais en fin de compte, c'est pas ça. L'histoire, c'est simplement sur un plateau de sushi. On s'est toujours trouvé que les plateaux de sushi étaient toujours très bien ordonnés. Et là, il y en a un qui s'en va. En fait, il s'en va pas tout seul. C'est un maquis, donc il y a l'algue autour. Et c'est le seul qui est en noir. Et en fait, c'est un sushi ninja. C'est le sushi ninja. Et il est volé par une petite équipe de ninjas. Alors, on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour rejoindre le clan? Enfin, voilà, c'est un peu la petite histoire qu'on a voulu mettre en scène. Moi, j'aime bien surtout la texture du riz, le fait qu'on mélange avec le vinaigre et du sucre, je pense que ça donne encore une matière assez incroyable, un peu nacrée. Et après, quand on fait le maquereau, maquereau, pas le poisson maquereau, mais très proche, c'est la texture de poisson est assez incroyable. Là, comme on était en très gros plan, on voit vraiment le poisson changer de minute en minute. C'est assez incroyable, il y a une sorte de métamorphose. Ça prouve que le sushi doit être mangé frais, toujours frais. Et tout l'éclairage que Pierre met tout autour, avec le ventilateur et tout, bon, ça dessèche et ça cuit le poisson. Donc il faut aller très très vite comme ninja. Oh, elle chauffe bien.